Les premières notions des nombres relatifs, on va les aborder au niveau de trois exemples que vous connaissez. La première, c'est ce que vous avez pu vivre à Valoir avec les températures. Donc ici, vous avez un thermomètre qui indique, ici, avec cette colonne, par exemple, si elle monte jusque-là, il fait 10 degrés. Ici, il ne fait plus que 5 degrés. Et puis, si j'en enlève 2, il fera donc 3 degrés Celsius. Si j'enlève encore 3 degrés, il fera 0 degrés Celsius. Et donc si j'enlève ensuite 1 degré, combien fait-il? On est passé à l'eau sous forme de pluie, à l'eau sous forme de neige. Donc à 0 degré moins 1 degré, il fait moins 1 degré. Donc on a un nombre avec ici, placé devant, un signe moins. C'est donc un entier relatif négatif. Ici, on aurait pu mettre le signe plus, un entier positif. On pourrait mettre également un signe plus pour le 0 degré. Le deuxième exemple pour les nombres relatifs, donc des valeurs positives, des valeurs négatives, eh bien, c'est la frise historique. Alors, la frise historique, c'est une flèche du temps gradué, on a reporté intervalle régulier de 500 en 500 ici, les dates, donc plus 500, 1000, 1500, 2000, je vous laisse porter le point A qui correspond à la date d'aujourd'hui. Donc la date d'aujourd'hui c'est 2021. Et donc le point A sera d'abscisse 2021 et on pourrait le faire figurer ici, ce point A environ. Alors, la droite graduée, elle part de 0, de la naissance de Jésus-Christ, ici. Donc, c'est le point N que l'on peut porter ici sur la droite graduée. On peut faire figurer également le voyage à Médine, le point M, d'abscisse 622. 500, 622, donc je vous laisse voir. Ici à peu près. Alors, on passe ensuite dans notre partie, l'autre partie de la droite graduée, la chute de Babylone. La chute de Babylone, c'est l'Antiquité, ou début de l'Antiquité, 5 siècles avant notre ère. Donc notre ère, elle commence ici, en 0. Donc 5 siècles avant, 2, 3, 4, 5 siècles avant, on se retrouve donc ici, à l'opposé de 500 ici, on est à moins 500. Donc ici, c'est la chute de Babylone. La conquête de la Gaule, le point G, 50 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, 50 ans avant Jésus-Christ, c'est donc plus petit, c'est une date antérieure à Jésus-Christ. Là, ce sont les dates récentes. Donc, c'est rechercher, placer le point d'abscisse moins 50. Donc, on peut le mettre ici.
conquête de la Gaule. Hannibal en Maurienne. Le passage d'Hannibal en Maurienne, un général qui passe avec ses éléphants sur des cols frontaliers à proximité de Valoire. Donc le point H. Et ça se passe en moins 218. Donc en plus 218, on serait environ ici. Mais à l'opposé, donc là on est à moins 100, moins 200, moins 300, donc moins 218, ça va être environ ici. Et donc dernière manière que nous avons d'aborder les nombres relatifs, c'est avec le chat et Scratch. On a travaillé avec un repère constitué d'un axe rouge et d'un axe bleu orthogonaux, se croisant à angle droit et gradué. Donc l'axe rouge 100, 200 ici, et on peut aller jusqu'en 240. Et pour l'axe bleu 100, on peut aller jusqu'en 180. Alors on demandait au chat de dessiner un carré. Pour cela, on lui demandait d'abord de se situer au centre du repère, au point 0,0, puis de s'orienter vers la droite, d'avancer de 100, de tourner de 90 degrés, d'avancer de 100, de tourner de 90 degrés sur la gauche, d'avancer de 100, de tourner de 90 degrés sur la gauche, et d'avancer de 100. Donc c'était cette manière-ci de procéder. Alors la deuxième manière de procéder, eh bien, c'est de considérer qu'en fait on va dire au chat d'aller à quatre points qu'on va identifier dans notre repère. Donc le premier point, donc au départ on est en 0,0, on lui demande d'avancer de 100 sur l'axe des abscisses, l'axe rouge, et rester au même niveau, au niveau de l'axe des ordonnées, donc on lui demande d'aller en x égale 100, y égale 0. On lui demande ensuite de rester au même niveau au niveau des abscisses, mais de monter au niveau de l'axe des ordonnées. Donc ici, quelle valeur va-t-on mettre? On reste en x égale 100 et on va aller en y égale 100. On est ici, on demande au chat ensuite de revenir sur des valeurs de x inférieures, allant jusqu'à, et de rester au même niveau, au niveau de la valeur des ordonnées. Donc en valeur de x, on revient en 0, et en valeur de y, on reste à 100, puis on retourne à la maison, en 0, 0.
Alors ça, c'est on évolue en territoire positif. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de demander au chat d'aller faire ici ce trajet-ci. Donc je vous laisse réfléchir. À la suite de ces trois exemples, ça nous permettra d'aborder le cours avec d'abord en paragraphe, le premier paragraphe, les notions, et bien 3 moins 4, quand nous avons 3 degrés et que nous enlevons 4 degrés, et bien cela fait moins 1 degré. Donc cette soustraction n'était pas possible avant, elle le devient, on obtient un nombre négatif. L'ensemble des nombres positifs et les nombres négatifs, ce sont les nombres, ce qu'on appellera les nombres relatifs. Le deuxième paragraphe, eh bien, c'est le repérage. Nous avons parlé de la droite graduée. Alors jusqu'à maintenant, on se servait d'une demi-droite graduée avec une origine à 0 et une flèche de ce côté-ci. Et bien maintenant, on va également de l'autre côté. Alors, on parlera des abscisses, de points. Les nombres opposés, on a vu 500 et moins 500. Et on parlera également des distances à zéro qui nous permettront de comparer les nombres les uns par rapport aux autres. Le repérage, ensuite, dans le plan, ce que nous avons fait avec Scratch, chaque point pouvant être repéré par son abscisse, que Scratch appelle X, et son ordonnée. Par exemple, pour ce point-ci, M, mon abscisse est de 200, mon ordonnée est de moins 100. Et puis nous terminerons par un troisième paragraphe. Pour comparer, afin de comparer les nombres relatifs entre eux, savoir quel est le plus grand et quel est le plus petit.